Bonjour à tous, c'est Jean Ducrot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les fabricants de drones à travers la planète s'inspirent de l'oiseau, le colibri. Comme vous le savez, les drones ont besoin d'une faculté de vol stationnaire. Et le colibri est un oiseau roi de la voltige, car les colibris, qui comptent 227 espèces, vivent sur le continent américain, du plus petit, le colibri abeille, long de 6 cm pour 1,6 g, jusqu'au colibri géant, 22 cm de longueur, pour un poids de 18 grammes. Tous savent voler sur le dos et à reculons, effectuer des vrilles et des tonneaux, et surtout pratiquer le vol stationnaire. Leurs ailes battent jusqu'à 80 fois par seconde, une prouesse olympique qu'ils doivent à un squelette renforcé par deux paires de côtes supplémentaires et une musculature supérieure de 50% aux autres oiseaux. La forme spécifique de leurs ailes et leurs mouvements est le produit de millions d'années de perfectionnement. Toute proportion gardée, le colibri abeille brûle 10 fois plus de calories qu'un marathonien. Son carburant, le nectar des fleurs. Il peut en visiter jusqu'à 2000 par jour, pour en absorber 3 fois son poids corporel. Doté d'une mémoire d'éléphant, ce surdoué connaît l'emplacement de chacune des fleurs sur son territoire, le moment de la journée où elles produisent le plus de nectar et même la teneur en sucre de celui-ci. Cet oiseau lilliputien est aussi gourmand en énergie qu'une Formule 1. En 2017, la start-up tunisienne Safon Energy proposer une éolienne dotée de deux ailes effectuant un 8 comme celle du colibri et qui devrait produire davantage d'électricité qu'une éolienne classique. Pour autant, sa commercialisation se fait toujours attendre. Qui aurait pu se douter que de cette petite merveille de la nature pouvait en apprendre autant aux ingénieurs? Même les médecins sont intéressés par le perfectionnement de son métabolisme. C'est une bonne leçon donnée à tous ceux qui méprisent la nature. Son moteur est un cœur énorme qui pèse 2% de son poids, la proportion la plus élevée de tous les volatiles. À titre de comparaison, pour l'égaler, l'homme devrait avoir un cœur 7 fois plus gros. Le cœur d'un colibri peut battre jusqu'à 1260 fois par minute lorsqu'il est en vol stationnaire. Les poumons suivent ce rythme effréné, avec parfois 400 respirations par minute. Qu'un étranger ne s'avise pas à venir butiner ses fleurs, aussitôt l'oiseau charmant se transforme en un redoutable bretteur qui utilise comme arbre son long bec. Rien d'étonnant donc que les Aztèques en aient fait leur dieu de la guerre, Ixilopochtli. Ce suractif ne pouvait qu'inspirer les ingénieurs. En 2006, la DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, chargeait la société AeroVironment, spécialiste des avions sans pilote, de créer un engin volant d'une taille inférieure à 7,25 cm pour un poids de 10 grammes au maximum, capable de parcourir au moins 1000 mètres et de voler sur place plus de 60 secondes. Après avoir testé 300 formes d'ailes, AeroVironment choisit pour son drone celle du colibri, les plus efficaces. Plus récemment, en 2019, l'université Purdue Indiana présentait à son tour un drone micro-mini colibri pesant 12 grammes. À la tombée du jour, le colibri peut enfin se poser. Il plonge dans une torpeur au cours de laquelle son cœur ne bat plus qu'entre 30 à 50 fois par minute, ses poumons ralentissent le rythme à 50 fois par minute et sa température chute de 40 à 32 degrés Celsius. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.